les écoles primaires publiques de Kofi Agbala et Akpaki dans la commune de Savalou disposent respectivement depuis décembre 2019 d'un gouvernement scolaire. Ils ont été formés par l'organisation non gouvernementale Racine qui ambitionne l'implication des enfants dans la gestion et la gouvernance de leur école. L'ONG Racine a aujourd'hui 4 gouvernements scolaires qui fonctionnent dans la commune de Banté. Cette année, c'est dans la commune de Savalou que nous avons installé 2 autres gouvernements scolaires. Et aujourd'hui, c'est le jour de la formation de ces 2 nouveaux gouvernements scolaires. Il s'agit du gouvernement scolaire de l'EPP Akpaki et celui de l'EPP Kofi Agbala. L'idée, c'est de faire participer les enfants à la gestion et à la gouvernance de leur école à travers différentes activités. Nous avons des ministres au sein de ces gouvernements, tout comme dans la zone de Banté. Et ici, à Kofi Agbala, il y a tous ces postes-là qui sont en vogue. Nous avons le gouvernement en place déjà ici, à Paki aussi. Pour ne pas faire 2 formations à la fois, nous avons essayé de réunir les 2 gouvernements scolaires. On les a formés ici aujourd'hui. Il s'agit de revenir un peu sur le rôle et les responsabilités de ces différents gouvernements scolaires, ce à quoi ils doivent participer, ce qu'ils doivent faire au sein de leur école pour le bon fonctionnement de l'école. Les membres du gouvernement scolaire sont suivis par des encadreurs acquis à la cause. Les animateurs de Racine effectuent des visites quotidiennes dans les écoles pour renforcer les capacités des membres du gouvernement. Avec les écoliers de chaque classe, identifier les délégués, on les appelle les députés, du C1 jusqu'au CM2. Donc il y a 20 délégués qui se sont réunis pour élire les 12 membres du gouvernement scolaire que nous avons mis en place. Et ces membres du gouvernement mis en place seront accompagnés par les maîtres encadreurs. C'est-à-dire, avec un gouvernement, nous avons 2 maîtres encadreurs qui les accompagnent et qui appuient ces enfants dans l'identification et l'élaboration d'un plan d'action qui doit être suivi tout au long de leur mandature. Aux côtés des enseignants encadreurs, nous avons l'animateur qui va les suivre et qui va accompagner ces enfants à mettre en œuvre toutes les activités prévues dans leur plan d'action. Les enfants membres du gouvernement ont pris l'engagement d'accomplir avec passion et dévouement cette mission à eux confiée par Racine. Je suis content de la formation que l'ONG Racine nous a donnée aujourd'hui. Ça va nous permettre de bien diriger notre école. Je suis content de la formation. Ça va nous permettre de bien diriger notre gouvernement. Et je remercie beaucoup l'ONG Racine. Les enseignants chargés de l'encadrement des membres du gouvernement n'entendent pas faillir à leur mission. Ils saluent l'initiative de l'ONG Racine et souhaitent qu'elle soit élargie dans les autres écoles de la commune de Savalou. Cette formation va encore donner d'éclaircissement sur certaines choses d'ombre qui étaient dans des écoles. Je demande à l'ONG Racine d'élargir cette formation pour toutes les écoles partenaires. Et je remercie infiniment l'ONG pour ses actions aux écoles partenaires. Arrivé au niveau des écoles ou bien au niveau des établissements, je prendrai en charge ces enfants-là, je serai leur encadreur et le rôle de chacun serait bien déterminé sans distinction et le travail va évoluer normalement.